Mais nous sommes dans un monde où les relations contractuelles aujourd'hui, nous parlons de gestion axée sur des résultats. C'est le concept managérial qui est présent aujourd'hui. Qui dit gestion axée sur des résultats parle forcément ou fondamentalement de contrat de performance. Or, le contrat de performance appelle des obligations de part et d'autre. L'État met en place des structures, donne effectivement le personnel qu'il faut, mais l'État a également l'obligation de mettre les moyens qu'il faut. Et moi, directeur général, je me suis engagé à travailler pour qu'effectivement, en relation avec la tutelle, pour que ces moyens-là soient mis à la disposition de l'ONACE, sans quoi les objectifs sont difficiles à atteindre. Et heureusement que nous avons une oreille attentive auprès du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage et remercier personnellement M. Céline Baïcham, ministre de l'eau et de l'assainissement, donc pour cette oreille attentive qu'il nous accorde, mais également l'ouverture d'esprit et même, je vais dire, l'engagement personnel qu'il met au profit de l'ONACE. Je voudrais le saluer et demander à son représentant de lui transmettre à mon nom propre, mais également au nom de toute personne de l'ONACE, nos remerciements les plus sincères. Remercier également M.